Bonjour à tous, je voulais vous présenter la planche multiscoring board de chez Action. Donc elle est en deux parties. On va voir ça ensemble. Alors d'abord une planche avec des rainurages, un petit plioir. Donc là c'est pour plier et de l'autre côté la petite pointe. C'est pour faire de l'embossing. Donc la planche de ce côté-là est en inch en haut sur le côté-là et en centimètres de ce côté-là et de ce côté-là. Ensuite, si on la retourne, donc elle permet de faire des enveloppes. Donc là, il y a les mesures en inch et les mesures en centimètres. Donc il y a les instructions pour faire les enveloppes. Et ici, cette partie-là, c'est pour faire de l'embossing. On verra ça après. L'autre élément, c'est la perforatrice. Alors, du côté corner, ça fait des coins. Et de l'autre côté, ça fait des encoches. Donc, je vous montrerai ça en détail après. Alors, surtout, ne pas virer l'emballage. Parce que cette planche permet donc de faire des enveloppes, mais aussi des boîtes. Et là, vous avez toutes les instructions et toutes les dimensions pour les boîtes, avec les instructions dans différentes langues. Donc, ne pas jeter l'emballage. Et au dos, on vous explique comment faire les enveloppes, l'embossage, quelques explications. On va voir ça tout de suite. Alors, première chose, on va essayer de faire une enveloppe. Donc, une enveloppe pour une carte carrée. Donc, j'ai mesuré ma carte. Elle fait 12 cm sur 12 cm. Donc, les instructions. Hop, au dos. Donc, on cherche donc une carte de 12 cm sur 12 cm. Il nous faudra un papier de 20,5 sur 20,5. Donc, je prends mon papier, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, donc 20,5 sur 20,5. Alors donc, on nous dit donc, pour la 12 sur 12, 20,5, 20,5 et on punch, c'est-à-dire qu'on perfore à 10,2. Alors, on prend notre planche, et ici, donc, on a les centimètres, donc on a 10,2, et on va venir mettre notre feuille à 10 cm et 2 mm. Comme ceci. Alors, je suis à l'envers, j'espère que c'est bon, les dimensions. Et on part de là, la petite encoche, là. On suit. Voilà, donc ça nous fait déjà une première... un premier pliage. Donc là, on a bien notre premier pli. On va tourner un quart de tour et on va venir mettre notre papier, je ne sais pas si vous allez bien voir, le long marqué score guide, donc le pli là, et on va se remettre donc là, et on a un petit carré qui se croit, c'est normal, hein. Ensuite, on le retourne d'un quart de tour. On vient encore se mettre le long de la ligne. Hop. Et encore un dernier quart de tour. On vient se mettre comme ceci. Et là, on a bien nos quatre petits carrés. Donc, on va les enlever, les petits bouts qui sont là. Donc, on prend notre appareil, comme ça. On vient se mettre là. Et on vient s'aligner, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, s'aligner les deux petites languettes, là, sur les traits. Donc, on fait ça comme ceci. Et ce qui nous enlève notre coin. Ensuite, eh ben, on va faire pareil pour les quatre coins, enfin les quatre
quatre angles de notre enveloppe. Donc ah, ça bouge. Donc, on a bien nos quatre plis, on a les petits morceaux qu'on peut virer. On va venir plier notre enveloppe. Voici, et on aura bien, donc on va rabattre les côtés comme ceci. Donc là, on mettra de la colle là et là, et on viendra coller notre enveloppe comme ça. On n'aura plus qu'à glisser notre petite carte dedans. Pour que ce soit plus joli, parce que le coin, c'est pas terrible, on peut, avec l'autre côté, donc pas le côté où on a perforé, mais l'autre côté, arrondir l'angle. Et quand on fermera comme ça notre enveloppe, et ben elle sera bien arrondie. Ah, ma table déteint. Bon, bref. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première enveloppe. Ensuite, on va essayer, donc ça c'était pour une carte carrée. Alors là j'ai pris une carte rectangulaire qui fait 10 cm sur 14,5. Donc on va regarder à quoi ça correspond. Donc 10 sur 14,5, donc ça sera 15,3 le plus rapprochant, enfin juste au-dessus. Il nous faudra un papier de 21 sur 21. Donc, je prends mon massicot, je prends une feuille, donc ma feuille fait 21, et l'autre côté 29,7, donc je la coupe en 21. On aura donc notre carré, avec des petits puzzles là. Donc, je prends ma planche, je regarde, donc 21 sur 21, c'était celle-là, et il faut que je punche à 8,8. Donc, je prends. Alors 8,8, donc 8, je vais vous montrer de plus près, 8,8, voilà. Hop. Donc après, ensuite je tourne d'un quart de sens de ce côté-là, je mets bien dans le score guide, là, voilà. Ensuite, toc, un quart de tour. Et un dernier quart de tour. Je vais donc plier. Ah bah j'ai oublié de puncher. Donc comme pour la première, on va bien se mettre comme ceci. On punch nos quatre côtés. On va plier. Oh, quoique je trouve l'autre côté plus joli. Donc finalement, je vais retourner comme ceci. Comme ceci et comme ceci. Donc vous verrez que elle est bien rectangulaire hein, pour pouvoir insérer ma carte. Alors que l'autre était bien carré. Alors, pareil, donc on mettra de la colle de ce côté-là, on fermera, et après pour arrondir le coin, on le prend du côté corner, hop, et voilà. Alors quand vous faites une enveloppe, faire attention au sens
pour pas que les petits animaux se retrouvent la tête en bas ou les petites décos. Donc, ça c'était la première chose. Après, on peut donc embosser avec cette partie-là. Je vais vous montrer. Donc, l'embossage, c'est un petit dessin qu'on va faire sur une carte ou sur l'enveloppe. Donc, une supposition que je veuille le faire sur ma carte. Je vais choisir ce petit motif-là, par exemple. Et j'ai envie qu'il soit dans le coin. Donc, dans le coin ici. Donc, je vais regarder. Voilà, là, c'est le premier trait. Je soulève pour regarder. Après, juste à côté, donc, il y a... Je regarde combien il y a de petites feuilles. 1, 2, 3, 4... De l'autre côté, il y en a. Voilà. Donc, ça va nous faire un petit dessin, ce qu'on appelle l'embossage. C'est l'embossage à froid, donc qui peut se voir comme ceci en renfoncement. Ou alors, si vous allez bien voir, il est embossé. Donc, je trouve que c'est sympa. On peut faire tous ces petits modèles-là. Donc, pour mettre ou sur l'enveloppe ou sur la carte, et je trouve ça vraiment très sympathique. Ensuite, au dos, on a la partie rainurage. Alors, la partie rainurage, ça permet en fait de faire des plis sur votre carte. Et quand on replie, par exemple, je fais un pli n'importe où, comme ça, je me mets là juste pour vous montrer. Hop, comme ça, quand on replie, on prend notre plioir et les plis sont impeccables, ça déchire pas le papier et c'est vraiment très très bien. Donc j'avais décidé de faire, pour vous montrer, une légère petite pochette pour y glisser un petit mot par exemple. Donc j'ai pris un papier de 15 cm sur 21 et j'ai envie de la plier donc comme ça et comme ça pour y glisser un petit mot ou un petit chèque ou n'importe quoi. Donc je vais toujours les plis moi à l'envers. Donc vous avez les plis en centimètres ou en inch. Moi je travaille toujours avec les centimètres. Donc j'ai décidé, je sais pas si vous allez voir, de faire un pli d'un côté à 8 cm et de l'autre à 4 cm. Donc je fais mon pli à 8 cm, voilà. Et de l'autre, j'ai décidé de le faire à 4 cm. Hop, voilà. Donc ça me fait deux plis. Un en bas et un en haut. Alors celui-là, je vais le replier comme ceci. On plie avec le plioir. Et l'autre, on replie dans l'autre sens. Nous permet de faire une petite pochette par exemple pour y glisser un petit chèque ou autre. Donc il suffit juste de mettre de la colle ici et ici, ici et ici, et on referme notre pochette. Donc on peut l'envoyer à quelqu'un, c'est sympa. Après, si on veut des coins arrondis, on peut réutiliser la perfo côté corner. Toc. Et on a donc les petits coins qui sont arrondis. Donc c'est sympa aussi. Si on veut y glisser quelque chose, moi j'aime bien qu'il y ait une petite encoche. Donc à ce moment-là, on prend notre appareil, mais alors pas du côté corner, de l'autre côté. On centre, donc on glisse notre feuille comme ça. On essaye de le centrer. Si j'avais pris les mesures, ça aurait été mieux, mais à peu près au milieu. On punch. Et là, on peut y glisser, si on glisse un petit papier, par exemple, comme ceci, ben c'est beaucoup plus facile de l'attraper là, et de le sortir, que si on avait le papier tout droit. Voilà, c'est juste quelques petites explications pour cet appareil. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez aussi faire des boîtes. Alors, quand vous faites des boîtes, il faut toujours deux parties. Une partie pour le couvercle, une partie pour le centre et pour le bas, je veux dire, et le bas sera bien sûr plus petit que le couvercle pour que ça puisse bien s'encastrer. Donc vous avez toutes les mesures et tous les
toutes les possibilités pour cet appareil. Donc voilà, j'espère que ce petit modèle tuto vous plaira. Je vous dis à bientôt. Au revoir.